Bon alors, les bébés lapins. Donc, actuellement, voilà, ils sont à ça, ils sont au biberon. Parce que ils ont mangé. Parce que leur maman ne veut plus les nourrir. Voilà, dès qu'ils essayent d'aller sur les mamelles de la maman pour manger, maman lapin ne veut pas, elle s'en va, et quand ils insistent, elle s'énerve et elle les charge avec des grands coups de dents et pas agréable, avec des cris, et j'entends les petites crier parfois, ce qui est pas génial. Donc ben, pour pas laisser ces 5 petits amours crever de faim, même si je les vois quand même grignoter un petit peu de foin, un petit peu de crène, et ce qui traîne, ben là, ces petits biberons avec, pour ceux que ça intéresse, biberon avec du lait pour chaton, donc doublage des dosages pour le lait pour chaton, avec un complément vitaminé pour lapin à l'intérieur pour qu'ils aient aucune carence. Il n'y a pas là mon pépère. Donc ben voilà, donc j'hésiterai pas à faire d'autres petites vidéos sur le blog des bébés lapins pour montrer comment qu'ils évoluent. Parce qu'ils sont tout mignons. Non, mange pas ma caméra. Là, le petit problème, c'est filmer en tenant la caméra d'un côté et le biberon de l'autre. Je me fais attaquer par un petit sauvage juste là. Non, ne mange pas la caméra. Apparemment, les caméras japonaises, comme des Sony, doivent avoir bon goût vu que... en train de se régaler dessus. La pépère. Ou mes mères. Oui, bah, à l'heure actuelle, ils sont encore trop petits pour savoir si c'est des petits bébés ou des petits garçons ou des petites filles. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, ouais, pour vous montrer un petit peu ce que la maman lapin fait comme dégâts. Bouge pas trop, toi. Bouge pas. Attends, arrête de bouger 30 secondes. Voilà, voyez l'oreille. Voilà, le genre de dégâts que j'ai retrouvé. Et je vais vous montrer une petite chose, pas forcément agréable. Voilà. Arrête, attends, bouge pas. Voilà. Hop, fini. Je sais pas si vous avez bien vu. Donc là, oui, c'est une espèce de croûte, quelque chose. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait ou quoi que ce soit. Étant donné que la lapine et les bébés ne sont pas moi à la base, j'ai découvert ça. Il y a qu'il a pris un méchant coup de dent, qui s'est vraiment très 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 amoché, ce petit lapin. Donc lui va avoir droit à un petit tour chez le vétérinaire prochainement, à mon avis demain, pour voir ce qui se passe. Encore un petit curieux, est-ce qu'il y a ta faim ou tu cherches la caméra? Non, faim? Un petit coup? Donc bah, directement biberon, et pour contenter ceux qui ont faim, une petite assiette avec ce qu'il faut, le temps de les faire patienter, le temps que j'arrive avec le biberon pour les nourrir. Faut bien trouver quelques petites solutions. Et dans le registre des petits lapins abîmés, tenez, regardez celui-là, là on voit très bien l'oreille découpée. Pareil, ceci, je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, donc je pense pas que ce soit quelque chose de tout récent. Donc voilà les pauvres petits pères, et pour vous montrer comment ils mangent pas, celui-ci est le plus petit de tous, mon pépère. Ne vous inquiétez pas, je fais très doucement, je fais très attention. Pas la première fois que je manipule des bébés lapins, mais c'est la première fois que je nourris des bébés lapins et que je suis une maman de substitution. Comme vous pouvez voir, ils ont quand même plein d'énergie, il y en a qui gambadent dans tous les sens. Tiens, il y avait des petits frères et sœurs, comme ça, ça ferait une autre famille. Hop là. Voilà, donc voilà les 5 petits bébés. Et ils sont mignons, ils sont mignons.
Bon, maintenant la question est de savoir combien il pèse. Ça, j'ai pas encore regardé. Oh, t'es tout propre, mon pépère, ma mémère. Oui, enfin bon. Ils ont mangé sur de la digestion, ils font un gros dodo. Bon. Allez, allez, tranquille.